tana martelé yo sans kelin kelin tana mouri kata iri dei ba iri dei iri tana laton mante laton tignale fele votre journal télé. Bonjour chez vous. Priorité des priorités. Notre ministère des priorités s'adresse à nous prioritairement. Aujourd'hui, nous savons que tout est prioritaire, mais en face de ces priorités, on a mis en place des priorités priorités. Aujourd'hui, nous savons que tout est prioritaire, mais en face de ces priorités, on a mis en place des priorités priorités. Ces priorités, c'est commencera par d'abord la voirie de Conakry. 2011. La Guinée était à l'honneur. Miss Univers, on se rappelle. 2016, c'est notre Mandela. Guinée is back qui parle super bien anglais. An African. Oh. That's a sea of answer, you know. Ah, pardon, j'ai commencé à tromper l'image. Notre président parle super bien anglais. Méthodologie are you planning to use to promote this wonderful initiative? Moi, je parle français, il faut le dire. Quelle initiative, comment vous allez, quelle méthodologie? En fait, félicitations de votre initiative. Méthodologie are you planning to use to promote this wonderful initiative? Moi, je parle français, il faut le dire. Non seulement Michael Jackson n'est pas mort, mais il est d'origine guinéenne. Prix RFI de Guinée, prix RFI continental, prix RFI francophonie, Soul Banks, big up. Oui, on nous signale de... Oui. L'abbé, moi une Guinée? Ok. Ah, d'accord. Alors, c'est triste. Je prends l'air sérieux, c'est vrai. Parce que l'histoire est incroyable. Un jeune homme à l'abbé du nom de Nohu vient de perdre son sexe. Ouais, littéralement dans le sens même du terme. Il a perdu, mais pas l'usage, le sexe lui-même. Amoureux, pendant longtemps avec sa chérie. Un beau jour, non, il a choisi une nouvelle chérie. Mais cette dernière, la malheureuse, elle voulait pas perdre deux fois. Elle a perdu son chéri. Elle est partie quand même avec le jouet préféré. Nous sommes avec vous. Les associations qui se créent partout sur Facebook et YouTube. Bring back your beat. Oh, nous, oui, soyez là, finalement. On arrive, toi, brother. Politique. Ségolène Royal à Marrakech, COP 22. Alpha Condé à l'honneur, encore lui, la lumière, notre boulanger. Il a reçu un trophée, on ne sait quoi, remerciement d'environnement ou d'écologie. Bravo, bravo beaucoup, monsieur le président. D'ailleurs, son équipe emboîte le même ton. Il reste dans la même tendance, son ministère de l'Environnement à Conakry. Nous avons rendu visite qui donne un bel exemple de propreté et de précaution sur l'environnement. C'est notre mini-dossier de journal. La Guinée ne va pas au Gabon. Coupe d'Afrique, non. La Guinée ne va pas en Coupe du Monde, non. Oui, on a décidé d'investir à l'enfance, à la pépinière. Oui, le football, natation, ça vous le voyez. Et aussi, on est parti faire une enquête à la minière à Taouya. Les enfants qui apprennent à jouer au football dans la mer. C'est comme ça qu'il faut investir. Bravo au gouvernement. Après le Blue Zone, maintenant, nous avons le plouf zone. Yo. D'ailleurs, restons dans la même tendance. Guinée-Congo, match tendu. Compte des qualifications, Coupe du Monde prochaine. Dur. Sans commentaire, nous avons fait nos enquêtes à Conakry. Oui, allô? Allô, c'est comment? Oui, mon ami. Apoko, c'est comment?
Ah oui, on va mettre fin à votre équipe nationale. On va tuer Congo. Congo sera tué. Apoko. Ah oui, Apoko. Apoko, oui. Oui. Bon, j'ai même mon ticket. Tu sais que c'est le guichet fermé. C'est le guichet fermé. Les cellules nationales. Oui. Ah bon, comment j'ai un problème. Oui, ça va. Oui, ça va, ça va, ça va, Foucault. Et chez vous là-bas. Oui, Dieu merci. Ah, vous êtes dans la brousse. Oui, à Poco. Bon, nous ici, vraiment, je veux que tu... Je ne connais pas le score. J'ai mon ticket avec moi, je ne connais pas le score. Guichet fermé. Guichet fermé. Oui, à Poco. Ah. Mais dis-donc, c'est pas ça. Chez nous, ici, en Guinée, RTG, le RTG nous a dit que, qu'il ne peut pas nous donner l'image parce qu'il n'y a pas d'argent. Ah, Poco, en tant qu'ami, je t'appelle pour que tu me donnes l'image, le résultat. Ah oui, chez nous, là, là où le match se joue, là où le match se joue, moi, je suis incapable de connaître le score. Oh, Apoko. Mon ami, tout sera clair. Tout sera clair. On n'a pas de commentaire. Gros dossier du jour. Le calvaire, la misère, le combat des Guinéens de par le monde. République de Guinée, Conakry, le 17 2016. Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Numéro 1768. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée présente ses compliments à l'ambassade de France à Conakry et a l'honneur de l'informer que l'absence de la lettre S sur le cachet blanc du service de légalisation du ministère ne constitue pas une anomalie préjudiciable aux documents légalisés. Et les gars, c'est le pays de Kerno Monenembo, quoi, tu vois, le pays de Kamaralaï. Ils nous disent, en gros, qu'un nom ne s'accorde plus en genre et en nombre à Conakry. Les affaires, mais on met pas S à la fin. Ah, la responsabilité du pays. Voyez-vous, les gars. Alors, nos passeports, nos cartes d'identité, nos permis, chiottes. Et il y a des gars qui souffrent ailleurs. Hein. Ils se sont battus. Ils ont traversé le désert, la mer. Ils sont arrivés en Europe. Nouvelle galère. Quoi? Le pays les abandonne. Merde, putain. Prenez tout. Oui, prenez le sous-sol. Les bagnoles. Prenez les meufs. Prenez tout ce que vous voulez, prenez de l'argent, mais s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Laissez-nous le fait d'être des Guinéens. Les papiers officiels de la Guinée sont remis en cause, en doute, partout dans le monde entier. Les milliers de Guinéens souffrent pour le simple fait d'être Guinéens. Certificat de décès, certificat de vie, certificat de mariage, extrait de naissance, jugement supplétif, passeport, permis, j'en passe, certificat de merde, même les diplômes. Prenez tout, nos sous-sols, nos bagnoles, nos diamants, nos bottes, prenez tout, guys, ils nous volent, ils nous mentent, ils nous blaguent, ils nous trompent, ayez pitié de nous. Nos sous-sols, nos bagnoles, nos diamants, nos bottes, prenez tout, guys, ils nous volent, ils nous mentent, ils nous blaguent, ils nous trompent, ayez pitié de nous. Être né dans un pays, y grandir et se demander qu'est-ce que son état a fait pour soi. Ben rien. C'est ça le fait d'être né guinéen. Ah, c'était votre dossier. Yeah, yo. Avant de vous quitter, question pour un con champion. Pourquoi quand ce n'est pas bon, c'est bon? Je me répète.
Pourquoi quand ce n'est pas bon, c'est bon? Pour nous répondre, rejoignez-nous sur notre page Facebook, Journal Fêlé. Bonsoir chez vous, bonsoir la Terre. C'était Choqué Magongo pour vous, Jacob à la technique, M.E.D. Merci beaucoup pour l'assistance, Bilia, Binta, One Love. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire là. Ça continue, ça tourne. Mais on se réveillera. Yeah, yeah. Bon, allez, j'en ai marre. Écoute. Oh, putain. Très bien, c'est parfait. C'est très parfait.